Bonjour à tous. Comme promis, voici euh, mon retour d'expérience sur la Vélodyssée que j'ai effectué euh, début octobre 2020. Et à la fin de la vidéo, je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur les différents réseaux sociaux. Pour se rendre au départ de la Vélodyssée, donc il faut aller à Roscoff. Et euh, pour venir à Roscoff, euh, il faut déjà prendre le train jusqu'à Morlaix et ensuite de Morlaix à Roscoff, vous n'aurez pas le choix, il faut prendre un bus. Ou alors y aller en taxi ou en vélo. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux que certains disent qu'on peut monter le, le vélo directement dans le TGV comme ça. Euh, enfin, moi, vu les contrôleurs que j'ai rencontrés, euh, ils ne m'auraient pas laissé rentrer dans le TGV. Donc euh, les TER, il n'y a pas de souci puisqu'il y a des emplacements euh, prévus à cet effet. Mais pour les TGV, j'ai dû démonter mon vélo euh, pour le mettre dans une housse. Et ensuite dans mon billet, lorsque j'ai pris mon billet de TGV, j'ai coché la case comme quoi j'avais un vélo démonté. Le parcours dans sa globalité est vraiment bien balisé, hormis quelques petits passages où euh, ben, quand il n'y a pas de balisage on s'égare euh, dans de mauvaise direction. C'est ce qui m'est arrivé au moins 4-5 fois euh, sur l'ensemble du parcours, donc sur 1200 km ça reste raisonnable. Et euh, donc je suis allé sur le site de la justement. J'active mon GPS et par rapport au parcours, euh, donc ce qui est, le site est vraiment bien fait. Par rapport au parcours, je voyais où je me situais et si j'étais égaré ou s'il fallait que j'aille à droite, à gauche. Euh, donc à partir de là, je m'y retrouvais quand même. Donc euh, entre-temps, euh, lavelodyssée.com a rajouté une rubrique où vous pouvez signaler euh, justement ces erreurs de parcours. Et donc euh, bah, je pense que c'est un gros plus euh, parce que ça évitera de, de nombreuses erreurs pour. Euh, pour vous par la suite. Sur le parcours, je n'ai pas vu beaucoup de points d'eau. Alors là, vu la période, c'était parfait. Je ne buvais pas énormément donc ça allait. Mais par moments, j'ai manqué d'eau et je ne trouvais pas de points d'eau. Donc si vous le faites en été, sachez que enfin, prévoyez quand même pas mal d'eau sur vous. Et ravitaillez-vous chaque village, on va dire. Alors, c'était la première fois que je faisais un bike trip, donc avec des sacoches. C'était ma huitième sortie vélo. Donc, j'avais acheté ces sacoches sur internet. Je ne ferai pas de, pub, de publicité sur ces sacoches. J'avais une housse pour protéger ces sacoches. Et ces sacoches ben, ont on pris l'eau malgré tout parce que la, la pluie passait dessous. Donc, je vous conseillerais des sacoches entièrement étanches et ne pas avoir une housse que vous mettez par-dessus. C'est trop le bazar. Ensuite, euh, mes sacoches faisaient 14-15 kg, donc je suis habitué à faire des treks, euh, donc j'optimise mon matériel. J'avais la tente, des vêtements propres pour, pour mon retour, et, euh, et donc le strict euh, nécessaire, des, un peu de nourriture, et euh, donc j'en avais pour euh, 14 kg avec, euh, avec les sacoches, hein, avec le poids des sacoches, plus la tente, le duvet, euh, et tout ce qui s'ensuit. Et euh, le vélo, euh, un VTT classique de 14 kg, euh, avec des roues VTT, euh, parce que j'avais pas envie de changer mes roues juste pour faire ce trajet. Je me suis dit, ça me fera les cuisses. C'était un choix personnel. Après, je pense que des pneus de VTC euh, suffit largement. Voilà, éviter les pneus trop fins, parce qu'on passe quand même sur des sentiers. Euh, voilà, hormis ça, je n'ai rien d'autre à dire. Pour ce qui est de, des vêtements, donc euh, j'étais entièrement recouvert de vêtements euh, pluie, donc euh, veste pluie, pantalon de pluie, chaussures étanches. Je savais que j'avais beaucoup de chance euh, en cette période d'avoir beaucoup de pluie, donc euh, j'avais prévu le coup. Et tout ce qui est vêtements euh, en dessous, c'était toujours les mêmes vêtements, donc euh, pareil strict minimum. Et, euh, et j'ai fait euh, mes dix jours euh, comme ça. Pour le retour en train, j'avais mes vêtements de rechange euh, qui étaient au fond du sac, donc dans un petit sac plastique. Euh, pour garder les vêtements propres. Maintenant, je vais répondre aux questions qui sont le plus revenues sur les réseaux sociaux. C'est un peu un classique des questions que je reçois, quelles que soient mes aventures, parce que souvent, c'est des défis, des challenges. Et la plupart ne comprennent pas, ceux qui, sont notamment, qui le font en mode touriste. Donc, première question c'était pourquoi 10 pourquoi jours pourquoi 10 jours Parce que 10 jours, c'est un chiffre rond. Et j'avais envie de me lancer le challenge sur 10 jours et je trouvais que c'était largement réalisable vu que le parcours est quand même assez plat, très roulant, euh, voilà, hormis quand on a un vent de face, évidemment, très, très compliqué. Mais euh, voilà, après, vous pouvez le faire en 20 jours, en 30 jours, c'est comme j'explique à chaque fois. Il y a ceux qui vont faire le mode touriste, qui vont prendre leur temps. Et on n'a pas tous aussi les mêmes capacités physiques. Donc, euh, à partir de là, il n'y a pas plus d'explication que ça. Quoi, hein. Moi j'ai profité de mon parcours, j'ai voilà, fait pas mal de prises vidéo. Enfin pour moi j'ai profité, c'était ma façon à moi de profiter tout en faisant mon défi sportif. J'aurais pu le faire en moins de 10 jours aussi. Donc pourquoi ces dates Tout simplement parce que j'ai beaucoup de tournages, et pour moi j'ai un planning déjà très complexe. Et donc, euh, je ne peux pas me permettre de repousser euh, les dates ou euh, d'avancer en fonction de la météo. Euh, pas de chance pour moi, c'est tombé quand il y a eu la tempête Alex. L'imprévu fait aussi partie de l'aventure, mais euh, bon, que je ne regrette en aucun cas mon choix. C'était une super euh, expérience. La plupart ont trouvé que je partais très tôt. Ben, oui, euh, pour moi, la nuit, euh, c'est magique. C'est une expérience euh, phénoménale. Vous entendez le bruit des animaux. Vous croisez énormément d'animaux aussi. Et on ne fait pas que les entendre. Et euh, vous êtes beaucoup plus attentif au, à la nature, au bruit qui vous entoure. Et, euh, et d'ailleurs, je vous conseille de partir à 5h du matin. C'est vraiment exceptionnel. Et après, vous avez le lever du soleil quand il fait beau. Et, euh, et puis après, vous profitez. Et puis au final, j'arrivais à 15 16h, sauf les premiers jours, mais il y a une journée où j'ai fait 160 km, je suis arrivé à 15h ou 16h à l'hôtel. Après, j'ai visité, euh, visité la ville le soir de, de 17h à 19h. Je, je suis baladé au centre-ville, j'étais en pleine forme. Euh, donc, euh, on peut tout à fait profiter en faisant des longues journées de vélo euh, et en partant tôt, justement. Donc, voilà, je vous conseille de partir tôt comme moi. Et enfin, est-ce que j'ai vraiment profité euh, de ce séjour oui, oui et re oui. Vous avez vu, j'ai fait les dunes du Pilat. Je vais pris le temps de m'arrêter parce que c'est un site qui m'intéressait. Bah ben voilà, je l'ai fait euh, et je suis arrivé à 15 h à l'hôtel en faisant les dunes du Pilat. Donc oui, j'ai profité euh, à ma façon. Je fais pas les musées, je visite vis pas les villes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, balader dans la nature. Donc j'avance et je regarde le paysage, je tourne la tête, je ne regarde pas que ma roue. Donc euh, voilà, oui, j'ai profité largement de mon séjour. Et enfin, pour clôturer ce reportage, j'aimerais remercier euh, toutes les personnes que j'ai croisées euh, sur la Vélodyssée euh, et euh, ceux qui m'ont hébergé, hein, euh, donc euh, l'hôtel Mercure, euh, euh, les, les campings, euh, qui, certains m'ont offert des repas euh, parce que j'étais fatigué euh, par la tempête Alex, euh, euh, qui m'ont offert un magalo pour, euh, pour éviter que je sois blessé dans ma tente lors de, du passage de la tempête Alex. Il y a eu beaucoup de générosité sur ce parcours. Et à la fin, j'ai rencontré Bernard et Boris, qui, qui me suivent sur les réseaux, justement, que je ne connais pas, et qui m'ont offert un restaurant à Handai, avec les spécialités locales. Et donc, vraiment, je tiens à les remercier personnellement. C'est deux personnes extraordinaires. Merci à eux. Et ils ont clôturé mon aventure de manière exceptionnelle. Voilà, et j'espère que bah, ce retour d'expérience vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de futures aventures.